Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Vanguard sur la map d'Erenfang. Un glitch qui va vous permettre de sortir de la map, donc un glitch out of map. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra l'objectif récolte dans le cinéma comme ceci. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors ce que je vous conseille c'est de mettre vos paramètres gameplay dans sprint automatique en tactique. Donc voilà, vous le mettez sprint tactique automatique. Comme ça, dès que vous avancez votre analogue, vous allez pouvoir courir. Donc ça va vous aider grandement à réaliser le glitch. Alors quand vous êtes dans le cinéma, ce que vous faites, c'est que vous allez ici en face de la tout courir vite, vous placez sur cette caisse. Et là regardez, là il y avait un glitch, on pouvait passer par là, mais là ils l'ont patché. Donc l'after patch c'est juste ici. Vous placez sur la caisse et là vous courez et vous sautez pour passer à travers le plafond. Et là en fait vous allez pouvoir rejoindre, enfin sortir de la map. Donc par ici vous passez par là et là vous allez pouvoir sortir de la map. Regardez, vous allez près de la porte rouge ici et vous allongez, voilà. Ensuite vous vous relevez, là vous avez passé un mur invisible. Là vous passez sur la gauche et là regardez, vous allez vous retrouver en out of map. Comme ceci. Et là les zombies vont pile up là où vous êtes, enfin voilà, c'est peut-être pas le meilleur glitch pour faire les camouflages ou les XP parce que c'est juste un out of map, mais voilà, c'est un petit out of map que je voulais vous présenter. Et regardez, pour faire le tour de la map, ce que vous faites c'est que vous vous référencez à la mini carte qui est en haut à gauche et vous longez tout le tour de la map pour faire le tour. Regardez comme ceci, là je vais pouvoir me placer là par exemple et les zombies vont pile up en face de moi. Regardez, bam. Et je vais pouvoir les tuer. Bon après la rapidité va pas être très rapide pour les zombies. Donc c'est peut-être pas le meilleur glitch pour faire tout ça. Mais voilà, il y a peut-être un bon potentiel sur ce glitch. Il faudrait exploiter ce glitch pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais je pense que ça a un gros potentiel. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.